Vous nous suivez à l'extérieur du pays, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette tranche Zoom Eco Live. Nous allons avec vous échanger autour des dépenses du gouvernement exécutées en septembre 2022, mais aussi nous allons aborder la question sur la décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une décision qui vise la responsabilisation des imprimés de valeur à l'hôtel de monnaie de la BCC. On en parlera avec notre rubrique Le Dossier, mais aussi nous donnerons la parole à la chronique qui nous sera présentée par Patrick Bomboka. Mais avant tout, nous commençons avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces informations avec le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, et le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bongi, qui ont pris part ce lundi 10 octobre 2022 aux discussions des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale visant à unir les forces pour répondre aux nouvelles menaces auxquelles le pays en développement sont confrontés. Selon les sources proches du ministère des Finances, les membres du gouvernement congolais ont eu une importante réunion avec la vice-présidente de la Banque mondiale, Victoria Kwakwa. Au menu, la digitalisation, la gouvernance des finances publiques, l'énergie, la libéralisation des télécommunications, la décentralisation et tant d'autres. Autre information, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, compte lever 100 milliards de francs congolais, soit près des 50 millions de dollars américains, sur le marché financier local des obligations du Trésor indexées ce mardi 11 octobre 2022. L'annonce a été faite par le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, dans un communiqué signé le 6 octobre 2022. D'après ces communiqués, la présentation des soumissions est attendue le mardi 11 octobre 2022 à 11h au siège de la Banque centrale du Congo et tout dépôt qui s'est fait après l'heure indiquée sera rejetée. Poursuivons ces informations avec la société pétrolière Kobil qui serait prête à se déployer sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Ces assurances ont été données par le directeur général adjoint de cette entreprise pétrolière, Olivier Okunda, lors des travaux des tables rondes sur l'approvisionnement en produits pétroliers dans les espaces Grand Équateur et Grand Kassai ouverts le lundi 10 octobre 2022 à Kinshasa, sous le leadership du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou. Plus de détails sur zoomeco.net. Et pour finir, dans les récents rapports publiés par la Banque mondiale sur la République démocratique du Congo et intitulé « Inclusion numérique pour une croissance équitable », nouvelle loi sur les télécommunications, un catalyseur essentiel, les experts jugent nécessaires les réformes fiscales pour soutenir le développement et l'inclusion numérique. Les experts de la Banque mondiale s'appuient sur les conclusions de certaines études qui démontrent que le gouvernement doit concevoir une architecture fiscale capable de soutenir une utilisation croissante des services numériques et de viser les consommateurs exclus. De retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique qui nous est présentée par Judith Unamaka. Il s'agit des chiffres clés. Alors Judith Namaka, bienvenue. Merci Guy. Nous allons avec vous commencer par prendre la température du cours de change. Quel est le taux officiel de la Banque centrale du Congo, mais également le taux parallèle? À propos de la température du taux de change en République démocratique du Congo, notons qu'à l'officiel, soit à l'administratif, 1 dollar se négocie à 2012 francs congolais, 1 franc CFA vaut 3,01 centimes et 1 euro revient à 1975 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, notre point focus est basé à Yoloézo et dans cet endroit, 1 dollar se marchande à 2025 francs congolais, 1 franc CFA vaut 3,15 centimes et 1 euro à 2069 francs congolais. Alors abordons cette fois-ci la thématique, à combien se sont élevées les dépenses selon les chiffres provisoires indiqués pour le mois de septembre 2022? En ce qui concerne les dépenses, les chiffres provisoires indiquent pour le mois de septembre 2022 un total de 1 863 milliards de francs congolais contre 14 540 milliards de francs congolais en cumul annuel. Alors on va finir avec cette question, Judith Onamaka, que dire de l'orientation de ces dépenses? Ces dépenses du mois de septembre 2022 ont été marquées par des paiements importants au titre de subventions, principalement le paiement des pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières et deux mois de paiement des rétrocessions en régie financière, 22% du total des dépenses du mois.
et des paiements de 60 millions de dollars américains de dotation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, ce qui porte la somme totale versée à celle-ci à 345,8 dollars américains, en ce compris les 45 millions de dollars américains de la 7e dotation décaissée en ce début de mois d'octobre 2022, et les dépenses sécuritaires impérieuses, et pour finir, les dépenses d'investissement représentant 10% de toutes les dépenses en cumul annuel. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez donc le présentateur des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Poursuivons cette tranche pour prendre cette fois-ci le dossier qui nous sera présenté par Aris Mbenga. Tout de suite. C'est avec vous que nous allons aborder les dossiers. Bienvenue, Aris Mbenga. Merci, Guy. Première question, quel est le rôle que joue exactement l'Hôtel des Monnaies à la BCC, avant de parler d'autre chose, justement? Alors, pour revenir au rôle ou encore à la mission de l'Hôtel de Monnaie de la Banque Centrale, il faut savoir que c'est une imprimerie de sécurité spécialisée dans l'impression de billets de banque et des documents de valeur ou de sécurité. Alors, conformément aux missions qui lui sont assignées, l'Hôtel de Monnaie est constitué en tant que direction de la Banque Centrale du Congo, au sein de laquelle sont rattachées les entités bien spécifiques qui lui sont étroitement liées. Alors, parlons cette fois-ci des recommandations du président de la République, en émettant le vœu de voir l'Hôtel des Monnaies se charger des imprimés de valeur. Quels sont ces imprimés de valeur et comment ça va se passer? Alors, quant à la question qui fâche concernant la production des documents de valeur ici en République démocratique du Congo, les chefs de l'État trouvent inadmissible que la délivrance des documents qui matérialisent l'autorité de l'État, tels que les passeports, les imprimés de valeur ou encore des titres académiques ou scolaires, deviennent des questions des mois ou encore des années. Alors, le chef de l'État a chargé personnellement les membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir agir avec diligence pour qu'avant la fin de cette année 2022, que les options claires soient levées en vue d'une solution durable à ce problème qui devient une inquiétude nationale. Mais aussi, il encourage le Premier ministre à prendre des dispositions nécessaires afin que la responsabilité de la production de tous les imprimés de valeur puisse revenir de manière définitive et exclusive à l'Hôtel de Monnaie de la Banque Centrale du Congo. Avant de se quitter, M. Harris, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des activités qui rentrent dans le fonctionnement de l'Hôtel des Monnaies depuis sa création. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Alors, en ce qui concerne son fonctionnement, depuis sa création, l'Hôtel de Monnaie, la Banque Centrale du Congo, a développé deux principales branches d'activité dans le secteur d'imprimerie de sécurité. Il s'agit donc, premièrement, de l'imprimerie fiduciaire, qui est autrement dit l'imprimerie des billets de banque, qui œuvre au sein de la direction technique et pourvoit aux besoins de la Banque Centrale du Congo en signes monétaires destinés à combler les besoins de l'économie nationale. Deuxièmement, nous avons donc l'imprimerie des documents de sécurité ou de valeur, dont la vocation essentielle est de promouvoir la sécurité documentaire. Il met donc à la disposition des demandes de clients toutes sortes d'imprimés spécialement protégés contre les tentatives de falsification ou encore de contrefaçon et d'usurpation. Merci beaucoup à vous, Aris Mbenga, pour ces précisions. Vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci, Guy. Cette fois-ci, parole à la chronique avec Patrick Bomboka qui nous parle du bon des trésors avec ses records jamais atteints en République démocratique du Congo. Il nous donne plus de détails, c'est justement tout de suite après ceci. Suivez. Bonjour. Les émissions des bons du trésor ont permis à la République démocratique du Congo de mobiliser près de 182,79 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2021. Selon le tout dernier rapport de la Direction générale de la dette publique, le taux de réalisation est estimé à 145% par rapport aux prévisions budgétaires sur les opérations des émissions des bons du Trésor indexés qui étaient de 252 milliards de francs congolais, soit 126 millions de dollars américains. Deux facteurs principaux justifient cette performance. Il y a d'abord l'amélioration du cadre macroéconomique après les perturbations occasionnées par la pandémie de COVID-19 en 2020. Ensuite, l'indexation des titres publics au dollar américain afin de protéger les investisseurs contre d'éventuelles dépréciations de la monnaie nationale, le franc congolais,
face à la devise américaine. Depuis octobre 2019, le gouvernement congolais avait donc lancé le bon du Trésor pour diversifier ses sources de financement pour faire face aux dépenses publiques toujours élevées. Un bon du Trésor est donc ces titres d'emprunt émis par l'État et remboursables à échéance. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Saviez-vous qu'à Kinshasa, il existe un marché des sachets plastiques, mais également des emballages en papier? Ah ben oui, Naomi Kande s'est déplacée aujourd'hui spécialement pour vous ramener les prix de ces différents produits. On en trouve ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des produits qui sont indispensables pour tous les commerçants. Zoom Wendy, c'est tout de suite et c'est maintenant. Pour ce numéro de Zoom Wendy, nous vous présentons le prix de sachets et emballages, en plastique ou même en papier. Ces emballages sont très appréciés de boutiques ou même de supermarchés, car ils permettent de transporter le produit acheté. Sans plus tarder, découvrons le prix ensemble. On débute ces marchés avec deux emballages Market qui se vendent à 500 francs la pièce. 200 francs est le prix fixé d'une pièce de emballage Viva. Vous avez la possibilité de vous en procurer aussi en grande quantité, où le prix d'un paquet des emballages Viva coûte 10 700 francs et 11 000 francs chez d'autres. Emballage communément appelé Obama se vend à 100 francs la pièce. Un paquet de 100 pièces revient au prix des 6 500 francs. Une pièce de châssé en plastique 0,8 se vend à 100 francs. Le paquet coûte 1 800 francs. Celui de 0,7 à 700 francs. Le paquet est fixé à 2 500 francs. Passons au prix des sachets noirs, où le paquet de petites mesures se vend à 1 200 francs. La moyenne mesure revient au prix de 1 600 francs. Et la plus grande dimension de sachet noir coûte 2000 francs congolais. 1100 francs est le prix fixé des pochettes cadeaux en papier. Au marché de Kinshasa, vous trouverez aussi des petites mesures des sacs cadeaux en plastique qui se vend à 2000 francs. La grande mesure revient à 5500 francs. Celui en papier à 1000 francs pour la petite mesure. Et la plus grande dimension se vend à 2800 francs congolais. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoom Wendy. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous du 10 octobre 2022? Nous allons déjà consulter l'agenda avec Ada Sagrasse et c'est maintenant. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Un salon des entrepreneurs est prévu le 13 octobre prochain de 9h à 12h à Kinshasa. Le droit des participations est fixé à 10$ pour le place standard et à 25$ pour le place VIP. Un autre rendez-vous est à prendre cette fois-ci avec Imani des 143 qui à son tour tiendra un webinaire sur « Développer mon business » les samedis 15 octobre prochain à partir des 10h. Un rappel, Winabio organise une conférence à l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation, les samedis 15 octobre 2022 à Kinshasa. Et pour finir, une rencontre des transformations est prévue le 20 octobre prochain à Kinshasa avec comme thème « Vivre pour un but ». Les droits des participations à cette activité est fixé à 10$. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
S'acheter un téléphone est une chose, savoir où se procurer les pièces de rechange en est une autre. Aujourd'hui, article 15 nous ramène un vendeur qui est dans les détails de ces pièces de rechange. Il a voulu partager avec nous sa petite expérience. Ah ben oui, son activité lui permet de vivre la débrouillardise à Kinshasa. Ah ben oui, ça a un nom et on l'appelle ici à Zoom Eco Live, article 15. Na rai justement na 24 ajoute ka logo bele na ba accessoire cellulaire na ba revue ba pochette na ba casque ba chargeur et on veut ça la paix que son habit sur la bande ça fait déjà ba 6 mois na 6 mois bande na bandi côté ka la so il est vraiment temps. Circulation bon vraiment ils attendent à tomber les la terre à mini ça ça là pays mais au fond bon aujourd'hui matin pays mais aux alentours toujours pour une daga quand même nous sommes 15 ans maintenant aussi. Ça y a moi vraiment m'a plein mais y a moi de ça là que na auto vivre na chasse à eux mais ça là vraiment ils attendent. Ça là vous mettez vraiment dans l'idée comme il est là au Kenya vous mettez ta portefeuille dans le rambo quand on a vraiment beau et ça passe tout bientôt quand on a beau que ça passe mais en gros nous on sait que tout vivra quand même ça va malgré bah toi tu te que la mission milieu quoi dans mon mot peut ajouter quelque chose en détail puis sur plutôt quand on est sur notre pas dans mon tout quand on est basé au mabiso. Tout ça n'a rien. Le gouvernement a mis sur le télé, mais la mission n'a pas vu le coup. La mission, tout ça, on n'a plus de quoi. Quand on va dire que la mission n'a plus de quoi, on va dire que la mission n'a pas de quoi, on va dire que la mission n'a pas de quoi, on va dire que la mission n'a pas de quoi, on va dire que la mission n'a pas de quoi. Tout ça, on va dire que le président n'a pas de quoi, le gouvernement n'a pas de quoi, pas de quoi, on va dire que la mission n'a pas de quoi, on va dire que la mission n'a pas de quoi, on va dire que la mission n'a pas de quoi, on va dire que la mission n'a pas. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.